J'adore venir au parc d'attractions. Oui, il y a des manèges, de quoi manger. Et ce que je préfère, le jeu du maillet. Mais il n'y a pas mieux que ça pour tester sa force. Monsieur Kalinou de la jungle. Il faut qu'on gagne ce gorille, même si on doit y passer toute la journée. Mais je voulais faire les attractions. Et les auto-tamponneuses. C'est pour ça qu'on est venu, pas pour un vieux gorille en peluche tout poussiéreux. Un vieux gorille en peluche tout poussiéreux? Comment oses-tu parler de cette façon de Monsieur Kalinou de la jungle? Mon tout premier meilleur ami. Vous voyez, c'est mamie qui me l'avait offert. Monsieur Kalinou de la jungle et moi, on ne se quittait jamais. On prenait le thé ensemble. On faisait des batailles de regards. C'était toujours lui qui gagnait. Oh non! Et on était les rois de la rampe de skateboard. On était inséparables. Mais un jour, l'impensable s'est produit. Monsieur Kalinou de la jungle! Aujourd'hui, j'avais retrouvé mon meilleur ami. Bonjour, combien vous demandez pour Monsieur Kalinou de la jungle? Monsieur Kalinou de la jungle? Il s'appelle Chester. C'est la mascotte de la fête foraine. Et il n'est pas à vendre, mais il est vrai qu'il aime les câlins. Oh, je ne parlais pas du singe, je voudrais le gorille. Oh, cette peluche, elle n'est pas à vendre non plus. Il vous faut 3 jetons pour l'avoir. Vous pouvez gagner des jetons au jeu de la fête foraine. Le lancer d'anneau, le chamboule d'eau et les fléchettes. Gagnez les 3 et le gorille sera à vous. Sinon, vous aurez celui-ci. On ferait mieux de gagner aux 3 jeux alors. Au boulot! Je peux gagner le lancer d'anneau. Ce n'est rien d'autre que de la géométrie, ma spécialité. Et toi, Lila? Je prends le chamboule-tout. J'ai une super force dans les bras grâce aux entraînements de Karaboum. Génial, je m'occuperai des fléchettes. Yeah. D'abord, il faut que je trouve le sommet de l'angle. Ensuite, je dois prendre en compte la force du vent et enfin la force gravitationnelle et le tour est joué. J'obtiens la trajectoire optimale. Quoi? Est-ce qu'on a modifié les 3 lois de Newton sur le mouvement sans me prévenir? Les scientifiques, on ne peut pas leur faire confiance. Bonne chance. Merci, mais je n'ai pas besoin de chance. J'ai des biceps en acier. Ça fait un lancer. C'est maintenant que tout va se jouer. Elle se prépare au lancer. Oui. Non. Une fournée de vos meilleures fléchettes, s'il vous plaît. Ça, c'est pour Monsieur Kalinou de la jungle. Quoi? C'est pas possible, ça! Ah, ça arrive tout le temps, mais les règles sont les règles. Il faut que tous les ballons explosent. Désolée, mademoiselle. Les jeux sont truqués! Mes jeux truqués? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? On a réussi à en gagner aucun, ils sont forcément truqués! Nous, les forains, nous avons une grande conscience professionnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai prêté serment sur le maillet doré sacré et juré de ne jamais tricher. Qu'il plus est, si le comité des forains pensait qu'on truquait les jeux, il nous ferait fermer boutique. Alors, au lieu de lancer de fausses accusations sans preuve, je vous suggère de retenter votre chance. Je trouve que ça ne sent pas bon du tout, cette histoire. Tu parles de ma boisson protéinée au cornichon? Oh, c'est vrai, Lila. Mais je pense aussi que les jeux sont vraiment truqués. Allons voir ça de plus près. Wow! Il semblerait que les bouteilles soient recouvertes d'une substance gluante. Voyons ça. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, attention, n'y touche pas. De la gelée de banane. Quoi? Tu as dit de ne pas y toucher, mais pas de ne pas le manger. On va envoyer cette photo au comité des forains. Il faut garder des preuves. C'est vraiment délicieux. Mon coup de poing de Karaboum va tout faire tomber. Aouïa! Comment c'est possible? Quelque chose retient les conserves. Ouais, et c'est... du bambou? Et voilà qui nous donne une preuve de plus.
On ne peut pas les faire exploser, c'est bizarre. Vraiment bizarre. De la noix de coco, c'est exactement la même odeur que ma lotion hydratante. C'est ça, de la noix de coco, ça ne fait aucun doute. Tous les jeux sont truqués et on a de quoi le prouver. Une fois qu'on aura fait éclater l'affaire, Monsieur Kalinou de la jungle sera enfin à moi. Super grande! Allons voir le comité des forains. Et... Chester a pris ton téléphone. Il faut qu'on le rattrape. En avant! Ah oui! Super petit! Banane, de la noix de coco, des constructions avec du bambou. C'est toi qui as truqué les jeux. Oh non, je n'ai plus les photos. Je suis sûre qu'il les a effacées. Ah ah, heureusement, les photos avaient déjà été téléchargées sur le cloud. Tu fais beaucoup moins le malin maintenant, mon petit Chester. C'est quoi le cloud? Je ne comprends pas pourquoi un singe voudrait truquer les jeux. C'est trop triste. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas un mot. Mais je connais ce regard. Monsieur Kalinou de la jungle est son meilleur ami. Et il ne voulait pas que quelqu'un le gagne, c'est pour ça qu'il a truqué les jeux. J'ai un plan pour t'aider. Mais avant ça, il faut que tu répares tes bêtises. D'accord? Monsieur Kalinou de la jungle, s'il vous plaît. Qui ça? Je parlais du gorille. Non, par le grand maillet doré sacré, vous avez gagné les jetons? Oh, je n'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Tu m'as trop manqué. Mais je crois que tu seras mieux ici, avec ton nouveau meilleur ami. Hé, hey, vous ne pouvez pas l'offrir à mon singe. En réalité, si on se réfère à la page 638 du code de déontologie des forains, si le gagnant d'un prix désire offrir le prix à l'animal de n'importe quel forain, l'animal devient propriétaire du prix précédemment cité, et le forain ne sera en aucun cas autorisé à lui reprendre. Et il devra masser les pieds de l'animal tous les soirs.
Ça alors, j'avais oublié cette règle. Très bien, je suis un forain tout ce qu'il y a de plus honnête. Il est tout à toi, Chester. Oh, quelle poigne! Tu as déjà envisagé de faire du caraboum? Ça compte, tu as cligné! Trop génial, j'ai enfin gagné une partie!